Non, je ne pense pas être bloqué. C'est juste que je ne vois pas la zone où que je dois utiliser. Là, c'est la bombe. Alors là, je vois pas trop là où que... À moins que si je poursuis la rivière jusqu'au bout, il y a moyen de remonter. Peut-être. Mais j'y crois pas trop. Hein. Oui, il est en train de me repousser le courant. Donc, comment que je fais? Aïe. Donc, c'est pas ça. Regarde la carte. Parce que je peux me TP là, mais ça va pas beaucoup m'aider. Ah, mais je peux me re-TP au village des auras. Je me fais chier depuis tout à l'heure, mais... Je suis teubé, en fait. Voilà. J'étais en train de réfléchir, mais plus simple, c'est tu te tépo aux auras, et puis courant jusqu'au lac. C'était le plus simple, en fait. Je sais pas pourquoi je me suis compliqué la vie. Et à part moment, je m'embête vraiment pour pas grand-chose. Ah oui, il me l'a dit en plus qu'il y avait un... Comment ça s'appelle ? Un truc pour l'oiseau. Parfois, il y a des trucs simples et voilà quoi.
simple. Je sais plus si je dois redescendre. Ah oui, je dois redescendre. Après, j'ai peut-être une idée, mais j'ai peur de recommencer. Mais si je jette le loup dans l'eau, il va tomber en bas. On va essayer de le faire propre. Ça fait bizarre dans le sens là en fait. J'ai presque plus l'habitude dans l'eau en remontant, en la montant la rivière, en la descendant. En général, quand je fais l'épreuve de descente de rivière, c'est en tant qu'humain, c'est pas en tant avec le loup. Voilà, on est arrivé. On va pouvoir récupérer, finir ça. Et quoi, 3 heures? Ok. Je réfléchissais jusqu'où on va aller en fait. Merci. Ok, on est là. Juste que j'active le TP au lac. Que j'avais pas fait tout à l'heure. Voilà. Je crois que c'est ici la TP. Voilà. C'était ça, j'avais pas activé tout à l'heure. On aurait pu arriver beaucoup plus vite. 1, 2, 3. Ah, juste 3. Alors, il y en a un là, ouais. Et les deux autres. Allez, viens. Et voilà. Il suffit juste de la tirer un petit coup. Tu mets un petit hop. Et voilà quoi. Ouais, j'avais pas besoin du cœur, mais oui, pourquoi pas. Ok. Il dit quoi, lui? Les clients viennent pas. Pourtant, l'eau revenu. Peut-être que personne ne sait. Je pourrais aller jusqu'à la ville, histoire de prévenir tout le monde. Non, trop fatigant. Il est où? Ah, ok. Mais allez, descends un peu. Voilà. Hmm.
Et le dernier, il faut monter, mais je sais plus, je crois que c'est par là. On monte. Non, c'est pas par là. Ah, ça promet. Je veux pas monter. Oh. Il est par là? Mais non, mais c'est pas toi que je voulais faire. Ok. Je vais pas passer loin. Ah oui, ça y est, je le vois. Et voilà. Alors normalement, il y aurait dû avoir une petite scène qu'elle me dit, mais attends, il en manque un. Et là, on le voit apparaître sur le... sur la map. Je crois que je vais éternuer. Non, c'est bon. Voilà. Ça, c'est fait. Alors... je sais plus comment... Ah oui, ça y est. Je me souviens du chemin. Voilà, c'est là-bas. Étant donné que c'est le tout dernier, je crois, insecte à récupérer... Il est légèrement différent des autres. Ah. Il a l'air beaucoup plus gros. La même chose en fait. Il est pas dur, hein. C'est juste qu'il est beaucoup plus gros. Ah mince, j'ai raté. Je crois que c'est une reine ou une mère. Voilà.
petit rototo. Vous avez rempli le calice de lumière. Vous avez ramené la lumière sur ces terres. Tu dois absolument trouver le dernier cristal d'ombre. A plus. L'Anel. Grâce à toi, les esprits de la lumière ont retrouvé leur place dans le royaume d'Hyrule. Ô toi, héros élu des déesses, le sombre pouvoir dont tu es à la recherche, ce terrible pouvoir repose au sein du temple, au fond du lac Ilia. Cependant, n'oublie pas ceci. Les déesses nous avaient confié la tâche de sceller ce pouvoir interdit afin que nul ne l'utilise. Dans un monde où rien n'existait d'autre que le chaos, les déesses vinrent et créèrent vie et ordre. Elles allouèrent au pouvoir égale proportion à toutes les créatures, puis regagnèrent les cieux. Le lieu où les déesses foulèrent quand elles descendirent ces cieux est appelé... J'ai pas le temps de lire. Les siècles passèrent et toutes les créatures pétrie de sagesse au cœur pur, vive en paix. Cependant, l'existence de cette terre sacrée finit bientôt par se savoir dans tout Hyrule, et elle... Des êtres qui maîtrisent les arts magiques firent leur apparition. Ils usèrent de leur terrible pouvoir magique pour tenter d'éteindre leur joug sur les terres sacrées. Alors, les déesses nous envahirent, nous, les esprits de la lumière. Nous scellâmes alors hors de portée de tout cette magie à l'inconsumérable puissance. Vous connaissez cette magie. Cette puissance obscure n'est autre que le cristal d'ombre. Et, héros élu des déesses, prends garde. L'imprudence qui se saisit d'un tel pouvoir, bien souvent ne tarde pas à tomber sous son emprise. N'oublie jamais cette terrible vérité.
Le terrifiant pouvoir dont tu es en quête repose au sein du temple, caché au fond du lac Ilia. Ok. Je regardais juste un truc. Là, non, je peux pas sauter. Ok. Donc ça veut dire que le je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, que le pouvoir que cherche Midona, Midoka, je sais plus comment elle s'appelle. Et peut-être un peu trop dangereux. Ah, je vois une... Là, je vois une pierre loup. Là, je vois un truc à péter. Pas grave. Si ça me fait un raccourci. Pour sortir. Ah bah non, pas du tout. Mais alors pas du tout, du tout. Ah oui, je me souviens. C'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose, cette pièce. Il y a des bons trucs à récupérer. Mais il y a aussi des méchants. Ok, il m'a redonné des bombes. Non, j'ai pas besoin d'huile en fait. Petit secret, donc voilà. Ce genre de grotte, je peux les faire en off, quoi. C'est pas... Vous voyez, c'est pas du... Il y a deux... Il y a trois, quatre ennemis... Fait. Ah non, c'est pas une fée. Et c'est quoi?
Qu'est-ce que c'est? Je suis un putain. Les flèches. Tant que ça me redonne un peu de vie. Ok. Ouais, des coffres. Ah ah! Moi j'ai, je crois, un quart de cœur, non? Oh, de l'argent! J'aime l'argent. Ah, je peux pas, j'ai pas assez. Mais ça veut dire que je pourrais revenir rechercher un peu d'argent si besoin. Ça, ça ressemble à une sortie. Hop, l'arc. Il y en a deux, non? Il y en a qu'un. Ah ah, un coffre. Bon. On peut pas le prendre. Non.